Bonjour, hiver 2009-2010, soir d'entraînement, nous sommes aux touches, salle Omnisport. C'est ici que se déroulent deux fois par semaine les entraînements du club de tennis de table des touches. Le club, il a été créé dans le milieu des années 70, donc ça fait déjà plus de 30 ans qu'il existe. Il y a une équipe de jeunes qui ont commencé à jouer là-bas, et puis au bout d'un an, ils sont venus 3, 4, 4, 5 me trouver. On joue là-bas, on s'entraîne, on s'amuse bien, mais on voudrait fonder un club pour faire de la compétition. Mais oui, mais si on vient de trouver, il y a une raison. Parce qu'on voudrait un président. J'ai accepté quand même, on a formé un bureau, et puis c'est parti comme ça, et ça a duré 15 ans, avec moi à la présidence. Quand on n'a pas envie de faire de foot, ou basket, ou ce genre de choses, on peut venir faire du tennis de table. Alors c'est plus un sport individuel, c'est vrai, puisqu'on est tout seul à la table, mais en compétition, il y a aussi l'esprit d'équipe, puisqu'on joue par 6. Ça permet aussi de grandir sur soi-même, puisqu'il faut rester quand même assez zen dans des situations qui sont parfois pas forcément faciles à contrôler. C'est la première année où on a perdu un match sur deux matchs sur trois. L'année dernière, on était deux, on se retrouve à peu près à 14-15. Donc on a essayé de convaincre dans différents collèges et puis ça a réussi. On essaye de leur apprendre à se maîtriser, à respecter l'adversaire et puis surtout à prendre du plaisir à jouer, pas se prendre la tête. De participer, de bien s'amuser sur tout ça. Dans la section, on commence à 8 ans et on va jusqu'à 73 ans. Donc c'est vraiment un sport qui est ouvert à tous, pour les jeunes et pour les plus vieux. On a trois équipes. Donc on est un petit club, hein, on est en division départementale. Mais depuis deux ans, on joue les titres de champion départemental. L'année dernière, on a été vice-champion, on a perdu en demi-finale des titres en départemental 4. Il y a deux ans, on a été champion en départemental 3. Donc régulièrement, on va quand même montrer le bout du nez du club de l'Isotable aux compétitions départementales. Commencer à prendre du plaisir dès un ou deux mois. Les gestes deviennent automatiques assez rapidement. Après, c'est le fait que ce soit rapide qui est un peu plus long. Mais avec un entraînement dirigé, au bout de six mois et à la fin de l'année, on peut dire qu'on commence déjà à avoir un bon niveau en tennis de table. Et même si le club vise cette année une montée d'une équipe en D2 et un troisième titre de champion départemental, l'objectif principal, c'est de prendre du plaisir. Parole d'ancien président. Il y avait une consigne qui n'était pas une consigne, mais que tout le monde avait compris. C'était d'abord jouer pour se distraire, mais la compétition au second plan. Vraiment au second plan.